Salut tout le monde, c'est Simzo, comment allez-vous? Votre question la patate aujourd'hui, petit dodo sur ma chaîne YouTube. Avant de commencer cette vidéo, je tiens à envoyer cette vidéo à la Code FR ainsi que la All League TV en espérant qu'il me pose, ça me ferait énormément plaisir. J'espère que tu es posé avec ton paquet chips comme un gros porc, qu'il fasse nuit ou qu'il fasse jour, regarde bien cette vidéo attentivement. Je tiens à faire une énorme dédicace à mon pote DreamTales qui m'a réalisé mon logo, merci à toi poteau. Donc pour tous ceux qui n'ont pas fait une nucléaire express en 164 secondes réalisée de la part de Zillo, ta chaîne sera en description, n'hésitez pas à le féliciter dans l'espace commentaire. Donc comme vous l'aurez vu au titre et à la miniature, nous allons parler de la nouvelle mise à jour. Il y en a qui se demandent qui est-ce qui a changé, je vais vous l'expliquer dans un instant. Donc pour cette mise à jour, nous allons parler que des armes. Donc pour tous ceux qui ont armes, nous allons parler de la Cuda, où cette arme a été réduite, donc voilà, il y a moins de dégâts, franchement, très rare, faites n'importe quoi. Donc pour tout ce qui est VMP, le recul a été réduit, donc voilà, déjà il y avait beaucoup de recul, ça je peux l'avouer. Et pour la Vesper, le recul a été accru, qu'est-ce que veut dire accru, c'est qu'il a été augmenté, donc vous serez beaucoup plus précis avec la Vesper. Nous avons parlé des SMG, maintenant parlons des AR. Donc pour tout ce qui est AR, la vitesse du rechargement de la manoir a été réduite, franchement c'est vraiment n'importe quoi, car quand je rechargeais avec une manoir, franchement c'était vraiment long, il fallait absolument mettre un chargeur rapide. Et là pourquoi réduire la vitesse, en fait je comprends pas. Donc pour tout ce qui est arme du Black Market, la G40 a été up au niveau des dégâts, donc là remonte de 3 barres de la fourchette quoi. Franchement c'est vraiment cool car la G40 manquait un peu, je trouve, elle manquait un peu de dégâts, donc merci Treyarch. Donc pour la MX Garand, la vitesse du rechargement a été accrue, c'est à dire comme quoi vous allez recharger beaucoup plus lentement, parce que je trouve que même si vous mettez un chargeur rapide sur la MX Garand, ça ne change rien. Donc la stabilité du recul a été accrue, c'est à dire aussi qu'il a été, voilà on va dire que ça a été pas augmenté, ça a descendu quoi, c'était une petite réduction. Donc je pense que vous savez c'était quoi le recul, donc passons à la FFA. Et pour finir, la FFA, la stabilité du recul a été accrue. Donc voilà, franchement c'est n'importe quoi, il y a une réduction alors qu'il y avait beaucoup, il n'y avait pas de recul, on est d'accord, il n'y avait pas beaucoup. Et pourquoi le descendre? Mais ce qui est bien, c'est que maintenant vous pouvez viser beaucoup plus rapidement avec la FFA. Donc c'est ça qui va permettre à l'arme d'être un peu plus cheatée. Donc je te laisse réagir dans l'espace commentaire si tu penses que la mise à jour 1.14 a été utile sur quel type Black Ops 3. Donc sur ce les gars, c'était Simzo, portez-vous bien, portez vos couilles, peace les